Sur leur site de 5500 mètres carrés, l'entreprise Potentier est entièrement intégrée de la création à la réalisation finale de la broderie. Elle travaille pour des marques comme Enzo, Lee Charmel, Playtex, Etam, Chanel et Chantel. L'entreprise Potentier est aussi producteur exclusif des crocodiles de Lacoste pour la zone Europe. Se compose de 3 membres pour la direction, 5 pour la création, 5 pour la vente, 35 pour la production et 4 pour la qualité. La création et l'échantillonnage se font exclusivement en France. La production se fait sur 3 sites en France, en Asie et en Thaïlande. Nous allons maintenant vous présenter notre projet. Nous avons commencé par la visite de l'entreprise. Nous avons vu les différents étapes de réalisation. À la suite de cela, nous nous sommes réunis et avons réfléchi à un projet qu'on pouvait faire ensemble. Lors de la visite, nous avons vu des tissus à destination de l'Afrique. Nous avons donc choisi de créer une collection sur différents pays et continents. Nous avons donc fait des recherches afin de trouver des motifs qui les inspirent, eux, les représentent. Chaque groupe a choisi un pays ou un continent qui l'inspire le plus. Nous avons aussi créé des plans de projet qui nous ont aidé à créer des motifs. De... Alicia et moi avons choisi l'Afrique car ce continent nous inspirait par ses couleurs. Différents sujets et sa façon de vivre. Donc nous avons fait une affiche avec des motifs. Nous avons colorié les motifs en noir car les tatouages sont souvent en noir. Nous avons choisi l'Australie pour ses paysages et sa culture. Donc, voici notre affiche. Alors, voici notre branche projet. Nous avons choisi l'Inde car c'est un pays qui nous inspire beaucoup de ses couleurs. Et ses coutumes. Pour nous, nous avons choisi le Japon qui est un pays que j'affectionne particulièrement. Et Pauline à ma gauche, vous pouvez découvrir leur pays, donc elle ne connaissait rien. Après avoir dessiné chaque motif, chaque participe a choisi un motif en particulier pour choisir les dimensions, la couleur, pour ensuite le scanner et l'envoyer par mail à l'entreprise pour qu'il puisse le réaliser. Donc, voici les produits finis de notre collection Brando Le Monde. Nous avons choisi comme support les casquettes que vous pouvez voir là et sur Ryan, les t-shirts que vous pouvez voir sur Pauline et sur moi-même, et nous avons fait une écharpe que vous pouvez voir sur ma main. Nous allons maintenant passer à la partie promotionnelle de notre projet. Dans un premier temps, nous avons filmé notre visite dans l'entreprise et nous avons diffusé cette vidéo lors de notre porte ouverte. Dans un second temps, nous avons créé un stop motion pour toucher beaucoup plus de nos camarades que nous avons diffusé sur les TV de notre cité scolaire.
réalisé le stop motion que vous venez de voir. Nous sommes basés sur les planches projets qui sont là-bas. Donc nous avons sélectionné un symbole de chaque pays pour les redessiner sur des feuilles d'une couleur qui font référence au pays, comme vous voyez ici, pour en faire un storyboard de 150 images qui nous a inspiré pour réaliser le stop motion. Nous nous sommes inspirés des couleurs et du marketing des pubs d'Ashbash. Nous avons utilisé une musique en libre de droit. Pour conclure, on peut dire que ce projet a été très enrichissant. Nous avons appris à travailler en groupe et à se répartir les tâches. Il nous a aussi permis de découvrir un milieu que l'on ne connaissait pas, celui d'une entreprise du secteur industriel avec de nombreuses machines et celui du secteur artistique. En effet, l'entreprise potentielle travaille pour les plus grands noms de la mode, mais aussi à créer ses propres collections. Nous aimerions remercier M. Jean-Luc Potencier qui nous a ouvert les portes de son entreprise et Sarah Potencier qui nous a guidés dans notre projet et qui a permis qu'il se concrétise à la réalisation de cette collection Brodons le Monde. Nous espérons que cet exposé vous a plu et nous sommes maintenant prêts à répondre.